Yo les gars! Bon, j'espère que ça va. On va commencer le compte à 0€ directement, avant même le compte principal. Pourquoi? Parce que le compte principal, on l'a fait déjà un petit peu hier sur l'appli web, on a déjà un petit peu paqué. Et là, j'ai plus envie de jouer en fait. J'ai envie de jouer plus que paqué. Et en vrai, on va partir de 0 direct, parce que j'ai même pas les 4600 points FIFA de l'édition ultime sur le compte à 0€. Et au moins, s'il y en a qui sont dans le même cas que moi, si vous avez pas reçu vos points FIFA ce soir, bah vous pouvez prendre exemple sur ce que je vais faire pour avoir quelques crédits et bien commencer. Je pense que c'est bien. Après, bon, la plupart, vous avez les points FIFA. Mais... On va prendre notre pack de démarrage, BU. J'aurais pu être Mbappé direct, j'aurais pas dit non. Bon, ils nous ont mis beaucoup de Français, forcément, on a choisi France. Rocky pauvre en haut à gauche, les gars, on est sur le bon compte. On va skip ça, les gars, je m'en fous. Important, les choix de maillots, les gars. Prenez des gros clubs pour moi. Parce qu'après, vous allez vendre vos maillots pour vous faire quelques crédits. Faut assurer. Tu vois, là, je prends Barça de Chelsea, logo du Real. Première chose à faire, les gars, pour avoir un peu de crédit. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les gars, il n'y a pas de pack de démarrage. Il y a juste ça comme pack. Le pack fondateur. Et le pack fondateur, il n'y a pas de joueur dedans, quoi. C'est un peu la merde. Vente de maillots impossible. Je vais te montrer comment tu fais. On l'a fait hier sur l'autre compte. Mode moment, tiens, ils me mettent là-dedans direct. C'est la première chose qu'il faut faire si vous avez rien au club. On va ouvrir le pack fondateur. Comme ça, je vais mettre direct les maillots fondateurs. Il y a des défis avec. On ouvre ça. Donc là, dans le pack fondateur, vous avez ça. Donc vous mettez tout au club. Ne jetez pas les maillots parce qu'il y a des défis avec. Là, vous avez l'évolution fondateur. Bon, ça, on en a parlé hier sur l'appli. Ça, c'est vraiment super cool. Et sur mon compte à 0€, moi, je vais prendre mes améliorations direct pour bien me lancer. Ça va m'aider. Ensuite, vous allez dans stade, pardon. Là, vous changez vos écussons. Donc vous mettez soit le maillot bronze. Vous mettez pas vos maillots que vous avez eu. Du coup, moi, j'avais pris Barça de Chelsea. Je vais mettre domicile extérieur, logique. Comme ça, après, derrière, vous allez aller direct. Dans vos consommables. Alors, je vois avec Luxel direct. Ah ouais? Si je vais là, genre. Ah oui, putain, je suis super con. Ouais, vous faites vente rapide sur votre écusson du Real. Après, faut regarder peut-être qu'ils se vendent aussi sur le marché, mais je pense au début de jeu, non. Vente rapide maillot Barça, vente rapide maillot de Chelsea. Et là, les gars, déjà, vous commencez avec normalement 1400 et quelques points. Crédit, pardon. 1455 crédits en haut à droite, vous voyez. Donc déjà ça de prix. Un crédit est un crédit au début. Ensuite, pour moi, la chose la plus importante à faire, et je vais aller le faire tout de suite, c'est un peu chiant, mais pour se lancer, les gars, il n'y a rien de mieux, c'est... On va aller dans jouer, je pense. Moment, putain, et je suis vraiment perdu avec les menus. Je sais pas si ça va vous faire pareil, je pense. Hein. Je les trouve trop stylés, les menus, mais vu que c'est les touches, elles ont changé, ça me perturbe. Alors là, vous voyez, le but, ça va être de récupérer des étoiles. Alors pour moi, il y a deux possibilités. Si vous êtes fort au jeu un minimum, c'est jetons draft direct. L'année dernière, j'avais fait ça. Tu peux en récupérer 3. Donc si tu fais 60 étoiles déjà, t'as 3 jetons draft. Et l'année dernière, avec 3 jetons draft, j'avais récupéré quasiment 100 000 crédits direct. Donc le mieux, c'est ça. Et après, bah, si vous galérez en draft, prenez des packs. Je sais pas, il y a un pack choix joueur A, choix joueur hors rare. Il y a ce pack-là, c'est une moitié de pack à 50k. Là, il y a un pack à 50k pour 60 aussi. Et si vous passez un ou deux tours de draft, ça vaut le coup de tenter quand même. Donc moi, personnellement, je vais commencer juste par les faire 20 étoiles. Je vais pas faire les 60 direct, les gars, c'est trop long. C'est rapide en plus au début quand même d'en faire juste 20. Les trucs à la con là. Je vais juste faire 20 étoiles et après, je vais lancer ma première draft. Avec qui comme streamer? En gros, les gars, moi, je viens d'avoir le jeu seulement. J'ai pas, comme tous les autres streamers, eu le jeu en avance. Les créateurs de contenu, vous avez vu, c'est pour ça que bah, sur YouTube, il y en a peut-être qui ont dû se dire que j'avais pas fait de vidéo encore. Mais moi, les gars, vu que je suis pro, ils s'interdisent eux-mêmes de donner le jeu aux pros par souci d'équité, chose qui est logique pour moi, donc pour le coup rien à dire. Mais du coup tous les créateurs de contenu ont le jeu, mais moi vu que je suis pro, ben je peux pas. Donc c'est pour ça que j'ai dû attendre le 22 minuit comme vous quoi. Et là les gars derrière moi, vous voyez c'est pas le même décor que moi. Je suis dans les locaux, je suis dans des locaux en fait, on a loué des locaux avec d'autres streamers. Donc il y a Tip, il y a Molo King, il y a Swen et il y a Salem. On est 5 du coup. En fait on a loué des locaux, on est tous ensemble. Et puis chacun fait un petit peu ses lives de son côté. Après y aura, vous allez voir, on est ensemble jusqu'à normalement mardi ou mercredi. Donc vous allez voir des fois, je sais pas, il y a peut-être le Tip, il va venir ouvrir des packs sur mon live. Moi des fois je vais ouvrir des packs sur son live, etc. Enfin voilà, on fait des petits trucs. Mais en gros voilà pourquoi le décor est différent. C'était pour que ce soit un peu plus cool. Et en plus on est vraiment bien où on est là, donc pour le coup on regrette pas d'avoir loué le petit local là. Toujours chez Vita. Bah là tu vois il y a les sponsors pour le moment, oui. Annonce les gars, annonce sur mon futur sur cette saison. Donc comme je vous ai déjà dit, je fais la Ligue 1 cette année. Je vous l'ai déjà dit. J'ai déjà signé mon contrat avec le club, tout ça. Donc ça c'est acté depuis un petit moment. L'annonce de mon club, donc je peux pas vous dire si ce sera encore Vita avec en partenariat avec un club, si c'est un club à un autre club, si c'est encore le LOS. Les gars, j'ai rien le droit de dire. Mais l'annonce ce sera jeudi prochain, le 28, dans 6 jours du coup. Donc voilà, donc vous avez plus beaucoup à attendre, ne vous inquiétez pas. Nickel. Il y avait qui à la soirée? À la soirée, les gars, il y avait vraiment trop de monde, mais je suis dégoûté, franchement, je suis dégoûté. Il y avait Zidane déjà, bon, vous avez peut-être vu dans ma story Insta, il y avait Zidane. Bon, Zidane, c'était un peu la plus grande star. Il y avait Ousmane Dembélé, il y avait Naza, il y avait Nino, il y avait SDM, il y avait Paul Mirabel. Il y avait pas mal de monde. Moi, le seul, il y avait Julie, il y avait Pires.
Il y avait pas mal de monde, mais moi je voulais ma photo avec Zidane. J'ai pas réussi, putain. Il y avait Adil Rami, ouais. Je voulais ma photo avec Zidane, mais j'ai pas réussi. En vrai, en plus, il y avait moyen, il y en a qui ont réussi à avoir leur photo et tout. Mais il y avait quand même pas mal de monde à la soirée. Et j'avoue que j'ai pas fait le forceur à attendre à chaque fois au tel endroit. J'aurais dû, en vrai, c'était Zizou quand même. Du coup, j'ai pas eu ma photo. C'est où draft? Putain, on va lancer notre première draft là. Les gars, vous savez pas à quel point je suis hype. J'ai jamais été autant hype. Je sais pas pourquoi forcément. Hein. J'ai jamais été autant hype sur un début de FIFA que celui-là. Et j'ai dû tellement attendre là, le 22 minuit. Là, je suis en folie. Donc là, vous voyez, avec 20 étoiles. Ouais, en 10-15 minutes, j'ai récupéré ça. Et encore, on parlait. J'aurais peut-être pu aller plus vite. T'as un petit jeton draft. Si vous êtes pas à l'aise avec les drafts, les gars, prenez les packs. Hein. Mais les drafts, c'est le meilleur truc à prendre dans les choix. Là, je vais faire ma draft. Dès que j'ai fini, je refais les 20 étoiles. Je refais une draft. Et à un moment donné, je vais débloquer des crédits forcément. Là, on a 1400, on verra combien j'ai après la draft. Espérons qu'on la gagne déjà. Oui, je veux utiliser mon jeton. Bon, les drafts, on était habitué à avoir toutes les couleurs en fin d'année. Là, les gars, va falloir se contenter de... Oh, les formats, elles sont pas dingues. Hein. Prendre ça quand même. Oh, je vais pouvoir le tester comme ça, direct, là. Let's go. Ah, voilà, je suis bien. Ah, je suis très bien dans la première draft. Je vais essayer de partir en mix PL Ligue 1. Et Liga a oublié, tant pis pour Inaki. Oh putain, je dis ça. Et... Non, si, j'ai Tillman. Eh, je tente des trucs, les gars. Je sais pas ce que je suis en train. Je vais niquer ma draft. Faut que je fasse le collectif, c'est plus important. Eh non, Chiesa, c'était bien Rabiot. Ah, les changements de poste automatiques, mais ça, c'est incroyable. Mais ça, c'est la meilleure nouveauté du jeu. Ils auraient été. Oh, Nuno Mendes, les gars, il tombe trop bien. Faut un peu plus de Ligue 1 quand même. Oh ah, j'assure le collectif sur mon meilleur joueur, les gars. Bremer, il a une carte de fou, mais Skriniar aussi. Donnarumma, Navas, c'est parfait. Là, je mets le call. Bah, 4 joueurs du PSG, ça met le call direct. Là, j'ai déjà assuré sur tout le PSG. J'ai Badia Achille. Je pense que français, c'est mieux, non? Ouais, plus 1. J'ai une belle draft. J'ai une belle draft à condition que j'ai du collectif. Le collectif, c'est ce qu'il y a de plus important. Vaut mieux avoir une mauvaise draft avec 33 de call qu'une bonne draft avec 24, tu vois. Mais j'avoue que là, j'ai potentiellement une bonne draft si j'arrive à en faire quelque chose. Di Marco peut être DC. Ah ouais? Oh, il a MD, lui, hein. Let's go. Ouais, plus 3, je pense que c'est pas mal. Je prends sur Bruno, je prends sur la Serie A. Et juste là, si je fous Mkhitaryan, il a pas émossé. Il a émossé. Si je fous lui, là, je prends plus 2. Zéro femme dans mon équipe. Ah bah, les gars, je vous jure que j'ai pas fait exprès. Hein. C'est pas un boycott. Ferrier, peut-être. Il a pas. Non, il a pas raté. Mais Mbappé, il doit avoir raté. Attends, si je fais ça et ça. Oh, je suis trop malin, les gars. Et là, si je fous Di Marco, du coup, vous m'avez dit Di Marco DC. Oh putain. Mais oh, les nouveaux systèmes de collectif. Regardez comment ma draft, en 2 secondes, elle s'est transformée. C'est trop incroyable. MK en MC. Ah ouais. Non, mais vous voyez, avec les changements de poste, tu vois, ton Mbappé, il est buteur, tu le passes en AT. Ton Philippe Anderson, il est AD, tu passes en MD. Chiesa, il est je sais pas quoi, tu passes en MG. Di Marco, il est DG, tu passes DC. Là, les gars, cette draft dans FIFA 23, j'aurais eu 12 de collectif. Et là, je me retrouve à 33. C'est putain d'incroyable. Bon, alors là, parfait, les gars. Ma draft, elle est... Franchement, ma première draft de l'année, elle est trop, trop belle. Je peux pas rêver mieux. J'ai certainement le meilleur joueur du jeu. J'ai une bonne base. Franchement, à tous les postes, il y a ce qu'il faut. Hein. Je suis bien content de ma draft. En vrai, les drafts, ce qui est bien au début, c'est des formats. Pour ça que je trouve ça bien. Au-delà du fait que les drafts, les gars, c'est le mode qui donne le plus de crédit quand t'es bon au jeu au début. C'est le mode le plus rentable. Aussi, c'est super cool parce que déjà, tu testes des joueurs, tu testes des tactiques, tu testes des formations. Tu peux déjà commencer à te faire un premier petit avis. Premier match pour Rocky pauvre. Premier match pour Rocky tout court, d'ailleurs. Les gars, faut commencer par une victoire. Imagine, tu commences l'année sur... Oh, il y a pas une draft dégueu. Hein. Ça serait bien, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Ça serait bien que quand ils nous montrent l'équipe de l'adversaire, on voit le collectif, je trouve. Ce qui est dur au début du jeu, c'est de trouver... Enfin, de savoir quel geste technique faire. Parce que du coup, je sais pas ce qui va bien marcher. C'est toujours dur. Souvent, tu refais les mêmes gestes que tu faisais l'année d'avant, mais des fois, ils marchent plus autant. Genre, passement de jambe, je crois qu'il marche encore un peu. Oh, il a l'air de passer mal marché. Ça, c'était un petit passement de jambe à la FIFA 23. Port jeu, normalement. Vous voyez la petite fusée, timing vert. Vous voyez la petite fusée qui se met au-dessus du curseur. C'est les playstyles, ça. Et quand c'est en gold, en fait, quand votre joueur il a un playstyle en gold, c'est vraiment ça. Je pense que ça va vraiment être fort. Tu vois, la fusée en gold, en or. On va parler français quand même. La fusée en or, je pense que ça va vraiment être cheaté. Et quand ça s'active, c'est que vraiment, c'est en train de prendre le truc. Et du coup, là, il a pris une petite vitesse. Il n'y avait pas besoin. De toute façon, les gars, il n'y avait plus de défense. Hein. Mais sur les côtés, vous allez voir que sur la bêta, moi, je faisais ça avec des latéraux qui avaient le truc fusé. C'était trop fort. Je comprends rien au playstyle. Il faudra nous faire un tuto. Bah, dès que j'aurai compris. Mais en gros, pour vous faire un petit tuto vraiment très, 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 très rapide. Tu vois, tu vas dans ton joueur, tu vas dans ce type de jeu. Tu vois, par exemple, Mbappé, il en a 4. Donc là, ils vont te les expliquer. Mais mes explications sont mieux que leurs explications. Donc on va skip. Lui, par exemple, il a rapide dans contrôle du ballon. Et vous voyez, elle est blanche. En gros, vous avez deux versions des playstyles.
PlayStyle. Les PlayStyle tout court et les PlayStyle Plus. Les PlayStyle Plus, c'est ceux qui sont dorés. Là, par exemple, c'est un PlayStyle Plus, c'est full et rapide. Et ça accélère vraiment plus vite lors d'une accélération explosive. Donc, c'est sur l'accélération, va plus vite. Donc, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il a aussi contrôle du ballon. Dans contrôle du ballon, il a rapide. Atteint une vitesse plus élevée lors des dribbles et commet moins d'erreurs lors d'une accélération de la poussée du ballon. Mais ça, elle n'est pas en gold. Donc, elle va pas être aussi abusée. Intuition, réalise des passes et des tirs fantasques avec une précision accrue. Extérieur du pied, déclenche. Bon, ça, vous connaissez, c'est les extérieurs. En gros, les joueurs, ils ont tous ça. Tu vois, lui, il a ça. Je prends même Kitarian. Il en a 4 aussi, mais lui, il a aucun blanc. Enfin, il a aucun doré, pardon. Et en gros, après, je peux pas vous dire lesquels sont plus forts, mais je sais que la fusée, c'est sûr, elle va être forte. Et défends, mon pote! Regarde-moi pas jouer! Oh, le pressing. Et par contre, les gars, je sais pas si. J'espère que ça va être comme ça toute l'année. Je suis trop fort en timing, là. Voilà, timing vert! C'est lent, non? Oh, bon, c'est pas. Faut pas que ce soit lent. Pour un début de jeu, en tout cas. C'est sûr que par rapport à la fin de jeu, c'est plus lent, mais. Faut pas que ce soit lent. Voilà, joue haut! Parfait, c'est bien ça. Petite finale de draft, normalement il y a une animation apparemment, parce qu'on a vu les feux d'artifice, je crois pas qu'il y ait. Enfin les feux d'artifice, les petits trucs là. Wesh là. Voilà, il a une attaque. J'allais dire la draft, elle est dégueu. Mais attends, les gars. Eh les gars, regardez sa draft. Il a une attaque, il a Mbappé à land, et après derrière, il a des ploucs. Les gars, Mbappé, ça a l'air n'importe quoi. Mbappé, j'ai l'impression qu'il est encore plus fort que l'année dernière. Il met des accélérations, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce but chelou? J'ai même pas tiré, il y a eu un contre. Oh là, il y a de l'espace, faut pas croquer. Bien sûr qu'il y a ça. J'ai un problème les gars. J'avais déjà ça sur la bêta et je sais pas si c'est moi qui fais un truc de mal. Vous allez peut-être le remarquer. Les joueurs, ils ont trop tendance à mettre des putains de plats du pied. Genre là, j'ai pas enroulé, j'ai voulu frapper fort, croisé. Les joueurs, ils mettent trop des plats du pied et du coup, ça met des frappes molles là. Ça rentre, mais en général, ça rentre pas trop quoi. Oh, les gardiens, des fois, ils abusent. Beaucoup de gens, en général. Oh, doublé de Maruzic. Timing vert, voilà, la finition synchronisée. Doublé de mon latéral droit, les gars, en finale de draft. Et le rage quitte. En vrai, 5-1, c'est sévère sur le match, parce qu'il était bon, lui. Là, les gars, on récupère nos premières récompenses draft de l'année. Allez, s'il vous plaît. Oh non, ça, c'est pas beau, c'est pas fou. Pack méga, pack joueur, premium or. Ah, c'est pas dingo, j'ai même pas un 50k. Allez, pack premium or. On a 3700 crédits avec ce qu'on a récupéré en faisant 4 matchs, du coup, plus les ventes rapides des maillots. Les 11 kills. Ah, c'est une meuf. Bah ouais. Au moins, les gars, récupérer 10-15 000 crédits, ça serait beau. Pour toi? Désolé, non? On va pas aller bien haut, ça. Allez, pack méga. Ah, ça, si je pouvais avoir juste un joueur à 10 000, ça serait vraiment super. Le parc, le goat direct. Oh non, c'est qui ça? Ah, c'est Younes. Oh non! Oh, voilà, première anime. Ah oui, je pensais à Mateus Nunes. Bernardo, bon, je pense pas que ça va coûter, hein. Mais au moins, je peux avoir les 10k. Oh oui! Un boost avec. Voilà, la première draft est rentable, les gars. Bernardo, ouais, là les, ça sert à rien de vendre, là, ça vaut pas. Lui, Bernardo, pour le coup, je pense que je vais le garder. Hein. Allez, pack 2 joueurs 78+. Terrier, ça, non? Ça va. Je sais pas si ça coûte, Terrier. En vrai, il a pas une carte dégueu, je trouve, le petit Martin Terrier. Allez. Anglais. Oh, c'est pas bon. Oh, Walker, s'il te plaît. Ah, c'est Arnold. En vrai, Arnold, je vais pas cracher dessus. Je pense que c'est pas horrible pour commencer. Hein. Un 6, ça cachera rien. Ça cachera rien de beau, je pense. Aïe, 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 aïe. Gulacsi. On va aller récupérer vite fait les 20 autres étoiles, comme tout à l'heure. Et puis, on va aller refaire une petite draft, hein, vu que c'était quand même bien payant. Là, on va récupérer 25-30 000. On a 20 étoiles. On va pouvoir aller faire une deuxième draft. Non, mais je vais tenter de partir comme ça, les gars. On va tenter. Je ferai rentrer Messi d'entrée. On va tenter. Je vais juste essayer de marquer le plus de buts. Je suis fatigué. Il faut que je fasse des rage kits. Voilà. Soso, il a dit au mieux. Bien joué, Soso. Waouh, Messi! C'est trop bizarre. Il a l'air fort, Messi. Hein. Vu que personne connaît le jeu, tout le monde joue au jeu comme si on jouait à FIFA 23 avec nos habitudes. Du coup, le jeu, il ressemble pas à ce qu'il est censé ressembler, tu vois. Il a une sale draft et il a pas l'air de mal jouer. Vamos da Doku. Oh. Un des premiers buts vraiment dégueulasses avec des comptes comme ça que j'ai mis.
Et c'est en finale d'une raf, les gars, donc pas de pitié. Non, 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 non. Quoi? Comment ça rouge? Mais gros, j'ai à peine appuyé sur rond. Oh là là, oh le bourbier en finale. Vamos! Tu vois, j'ai eu un petit compte favorable. La 45e qui régale. Oh, alors elle. Je vais te mettre une patate dans ta queue de cheval là! Mais comment ça, y'a péno? Comment ça, péno? J'ai pris un rouge pour rien, un péno pour rien, et lui, un rouge qu'il aurait dû prendre. Oh non, mais non. Je suis énervé là. Donne-moi des bons packs, s'il te plaît. Pas dégueu ça, non? Bon, maintenant, faut récup des crits. De toute façon, c'était un jeton draft, dans tous les cas, c'est bénef. MC Brésien. Guimaraes! S'il te plaît, ça peut être que lui. Y'a pas une meuf qui joue à Newcastle. Let's go! Là, ça doit coûter un peu. Allez, baisez-moi autant que vous voulez, là, dans le match. Pas de soucis si vous me donnez des Guimaraes. 10 000. Bah voilà, les gars, la draft, elle est déjà rentable. Ah, c'est pas Ferran Torres. Ouais. Attends, parce que je crois que Ferran Torres, il est pas mal pour les évolutions. Donc peut-être qu'il coûte un peu, non? Non, non, il vaut rien du tout. Ah, c'est dur. Je vous le dis. On va prendre lui. 28 de colle. On a sauvé les meubles. Et on va pouvoir tester les joueuses. J'ai joué hier avec Mbappé. J'ai pas encore testé. Ouais. Ce que j'avais testé dans la bêta, les gars, c'était les frappes avec les joueuses féminines. Et je trouve qu'elles étaient super molles. Et là, la frappe, c'était un timing vert. Elle était vraiment molle. Je sais pas qui c'est qui a tiré, mais c'était vraiment mou comme frappe là. On va faire entrer ça là. Peut-être un milieu parce que. Ouais, je vais mettre un coucou au milieu, les gars. Elle, normalement, elle est censée être forte. Regardez comment elle est petite déjà. Bah ouais, regardez comment elle est agile. Regardez comment elle est agile. C'est dur à défendre. Oh, le player lock, c'était bien joué. La frappe cancel. Ouais, mais moi aussi, je joue bien au jeu, heureusement. Qui ça? C'est pas Smith? Ah, c'est Morgan. Pourquoi il a posé la manette? Pourquoi il a posé la manette? Ouais, et lui il est en tilt complet. Voilà, tire dans ce ballon! Jouer Morgan. Fini, puni. Oh, c'est quoi le playstyle qu'elle a, elle? Ça m'a mis un truc quand j'ai tiré. J'ai enroulé, donc c'est peut-être tir en finesse, je sais pas. Parfait, rage kit! Tir en finesse, bah ouais, c'est ça, regardez. Effectue vraiment plus rapidement des tirs en finesse. Oh, le but il est archi propre là. Le but il était vraiment beau. Tu vois, il a le pressing parce que regardez, il n'y a plus de défense là. En fait, lui il doit jouer avec pressing. C'est vrai, il joue pressing constant. Smith, fini! Bien joué! Mais j'ai déjà une petite idée sur mon DC. Parce que j'ai vu qu'il y avait Gigot qui était pas mal et ça me plaît bien d'avoir un joueur de l'OM. Donc là, je joue vraiment bien ma finale. Et j'ai mis des vrais buts dans ce match. Hein. J'ai mis des beaux buts. Comparé à ces buts frauduleux là. Parfait, on gagne notre petit draft. Récupérons les récompenses s'il vous plaît, petit pack à 100k. Oh, pack à 50 par contre. C'est mon premier pack à 50 des drafts. Il faut qu'on récupère des crédits les gars. C'est un... Oh, Belge, oh, oh, oh. Non, le... Openda hein? C'est qui Belge? Ah, il a signé à la Roma, c'est vrai, Lukaku. Je sais pas si ça coûte parce qu'il a une carte au début du jeu un peu. Oh, Werner c'est bien, let's go. Alors là les gars, 15 000 crédits c'est super bien. Je vais revendre direct parce qu'on va se faire notre équipe après. Déjà la draft est bénef. Allez, pack à... Ah, c'est un pack à 50, tu me l'ouvres Mo? Quand t'as 0€ les gars, il faut du lourd hein. Mo il a de l'achat depuis le début de l'année, il a déjà pack. T'as pack Aloe Vera non meilleur? Bellingham. Ouais, il a pack du lourd déjà. Allez, faire les gars, gros. On va essayer de le régaler, imagine Icon. Allez. Juste un même un héros hein. J'ai pas reconnaître en plus. Anglais. Rashford. Il a pas agi. Really. À vous? Non mais en vrai Sika... quand même Sika. Il a une carte de merde en vrai au final. En vrai c'est Sika, ça me va hein. Ah ouais, par contre le pack il est dégueulasse. Derrière il y a même pas, des fois tu peux te dire un 83 qui coûte. En vrai la draft elle est rentable quand même. Putain, mais j'aurais préféré mieux sur le pack à 50 quand même. On va tout lister comme ça, on va voir combien j'ai de crédit après les 3 drafts du coup. Je pense qu'on va être aux alentours des 70 000 je dirais. Ça c'est un bon début les gars, on a quoi? On doit avoir 3 heures de jeu sur le compte. Un peu plus peut-être. 3 heures de jeu, 80 000 crédits en partant vraiment de zéro. Et j'ai encore, ah oui, j'ai encore un Bernardo Silva à vendre. Mon Kerr c'est un prêt. Je pense que je vais vendre les gars. Si je vends juste mon équipe maintenant, au moins j'ai déjà mon équipe. Ah, je vends les gars. Voilà, il s'est vendu. Donc là les gars, au bout de 3 drafts, on a fait 60 étoiles moment, j'ai récupéré 3 jetons de draft avec, j'ai fait mes 3 drafts et j'ai récupéré 91 000 crédits. Donc voilà, en 3 heures de jeu, on est déjà sur 91 000 crédits sur le compte à 0€ en ayant 0 points FIFA, même pas ceux de l'édition ultime hein, parce que sinon ça serait très peu. Donc franchement, je suis satisfait, c'est un peu ce que j'avais récupéré l'année dernière, je me rappelle, j'étais à peu près à 100 000. Donc sans avoir trop de chance dans les packs, j'ai récupéré quand même 91 000, donc c'est cool. Comme je le disais hier les gars, je vous recommande de faire la même chose, genre faire les étoiles moment et si vous avez le niveau de passer au moins 1, 2,
tours en moyenne. Même si vous les gagnez pas, forcément vous allez récup moins. Si vous gagnez pas hier, vous allez peut-être pas récup 91 000, mais vous allez récup peut-être 40 000. C'est déjà énorme pour commencer. Donc je vous conseille de faire ça, c'est le meilleur moyen de se faire des crédits au début. Je vous laisse les gars pour ce soir. Je vais pas tarder plus. Salut les gars.